Eh bien salut les amis, c'est Cam, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Super Mario RPG. J'espère que le premier épisode vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, hein. Genre il est sorti hier. De toute façon c'est un épisode chaque jour jusqu'à la fin. Bon voilà, hein. Vous laissez des likes, vous commentez, vous partagez, vous mettez la cloche des notifications et let's go, on continue. Mario, donc on était dans le château champignon. Et je sais pas trop où je dois aller. Mais j'imagine la salle principale, mais ça fait quoi toutes les autres pièces? Chambre de Peach! La princesse n'est pas encore rentrée. Le chancelier doit être fou d'inquiétude. Normalement, il y a un secret ici. Oh! On peut jouer même sur son lit. Voilà. Et attendez, il y a un truc caché, normalement. Vous avez trouvé... de Peach. Toi, là! Je peux savoir ce que tu es en train de faire? Remets ça où tu l'as trouvé. Je te donnerai quelque chose en échange. Ah ouais? Un champignon. Je peux faire à l'infini? Ah non. Bon, alors il y a des théories depuis très longtemps qui disent que c'est probablement un vibromasseur. Si vous savez pas ce que c'est, bah, vous êtes encore trop jeune. Donc n'allez pas vérifier ce que c'est, ne demandez pas à vos parents. Mais si vous savez ce que c'est, voilà. Apparemment, il y a des théories depuis longtemps qui disent que c'est probablement ça. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais, si vous pensez que c'est pas ça, qu'est-ce qui pourrait être caché dans la chambre de Peach? Gênant. Et suffisamment gênant pour qu'on ait peur de le toucher. Mais qu'en plus de ça, personne ne veuille le nommer. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais ça se trouve, c'est le journal intime de la princesse. Mais wesh, si c'était le journal de la princesse, bah le gars il dirait, hé, touche pas à ça, touche pas au journal. Mais il y aurait marqué journal. Alors c'est pas honteux. Par contre, un vibromasseur c'est un peu honteux. Ou peut-être une boîte de capote ou des trucs comme ça. J'en sais rien, c'est bizarre. Bon, mais en tout cas, si vous avez une meilleure explication, dites-le dans les commentaires. En tout cas, le jeu est très beau. Bon, il lague un peu, mais il est très, très beau. Il y a quoi là-bas? What? Je surveille la salle du trésor. Désolé, mais personne ne passe sans l'accord du chancelier. Super. Et là? Mais il est gigantesque ce château. J'espère que le garde n'est pas en train de se la couler douce pendant que je nettoie la chambre d'amis. Ok, mais elle est où la chambre du chancelier? Il dort pas. Bon, en tout cas, allons-y. La chambre, enfin pas la chambre, mais la salle du trône doit être juste là. Oui, oui. Par ici, s'il te plaît, mais il est plus là, le Toad. Il a des pop. Il est gigantesque. Et c'est un champi un up. Chancelier, Mario est arrivé. Il parle même pas. Me voilà. Oh, mais tous les Toads sont pareils sauf un. Mario, te voilà enfin. On a entendu un bruit énorme provenant du château de Bowser. J'ai failli en perdre mes sports. Ah, pardon, mais où est la princesse? Elle aurait dû y arriver chez toi il y a des heures. Ben, elle était là, mais... Vas-y, mime-nous, mime-nous. Je crains le pire. Se pourrait-il que... Il peut se transformer. Hein? Ça n'a aucun sens! Par mes sports, tu es en train de me dire que Bowser a encore enlevé la princesse! Ma foi, dans ce cas, tu vas encore devoir t'introduire dans son château pour la libérer! Déjà fait! Mais ça n'a pas marché. Ouais, tu as battu Bowser. Oh oh! Ça s'est à peu près... Wow! Il a réussi à faire trembler le château. Et Mario est mort. C'est quoi le truc sur le sol? Ah, c'est le reflet de la fenêtre, ok, normal. Qu'est-ce qu'il a, Toad? Mes aïeux! Le château de Bowser est inaccessible, tu dis? C'est de pire en pire! Mario, la vie de la princesse est entre tes mains. Je t'en supplie, vole à son secours! Mais j'ai pas la super cape, je peux pas voler. Et Mario? Oui? Tu n'oublies pas de t'équiper comme il faut, j'espère. Tu veux que je demande à Toad de t'expliquer comment faire? Pas la peine. Ah, je vois que tu es parfaitement équipé. Je dois dire que ça ne m'étonne pas de toi. Tu peux acheter des armes et des protections dans les boutiques d'objets. A toi de jouer maintenant, sois prudent! Mario! Mais donnez-moi de l'argent pour que j'achète des trucs, ouais, je dois aller sauver la princesse, j'ai pas de budget. Ah, moi je la sauve pas, hein. Je travaille pas gratuitement. Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet pour la princesse. Descends dans la salle du trésor et prépare-toi pour ta mission. Le garde pourra t'aider. Qu'est-ce qu'on va me donner comme trésor? J'espère un bon truc quand même. Et quand est-ce qu'on a enfin quelqu'un dans notre team? Mario, le chancelier m'a tout raconté. La salle du trésor est par ici. Oui? Voici la salle du trésor. Suis-moi. Je te suis, toi. Moi, plutôt. Je te suis, moi. C'est comme ça qu'il s'appelle apparemment. Ouh. Ça, c'est une pièce. Les petites valent 1 et les grandes valent 10. Celle-ci vaut 10. Ah. Ça, c'est une fleur. Très moche, on dirait un Lego. Les fleurs que tu trouves dans les coffres sont un peu différentes de l'objet fleur habituel. Quand tu trouves une fleur dans un coffre, tu ne peux pas la conserver. Tes points de fleurs augmentent instantanément. Par contre, les gélules de fleurs peuvent être ramassées et conservées.
Tu peux ensuite les utiliser via le menu X pour augmenter tes PF. Merci. Ball Champi, c'est un champignon, facile à reconnaître, non? Les champignons qui se trouvent dans les coffres fonctionnent un peu différemment de l'objet champignon habituel. Le champi trouvé dans les coffres restaure à la fois les PV et les PF, et ce sur le champ, tu ne peux pas les garder pour plus tard. L'objet champignon ne restaure que les PV, mais tu peux l'emporter avec toi pour l'utiliser plus tard. Bah merci petit Todd, et voilà on a tout. Bon, bah on se barre! Mais là on va peut-être avoir un allié, je sais plus quand c'est. Les cinématiques sont cool, mais c'est bizarre le manque de doublage. Et alors lui, en fait, c'est un nuage. Donc c'est pour ça, quand il pleure, il fait pleuvoir, en fait. Genre, c'est logique. Coucou! Ils vont l'avoir renommé ou pas en français? Oui? Oh! T'es trempé comme une soupe, toi! Comme une soupe? Ok. Il est trop mimi! Ça va mieux. Désolé, parfois ça fait du bien de pleurer un bon coup. Pourquoi je pleurais, au fait? Il devait bien y avoir une raison! Ah oui, mon grand-père m'a demandé de venir faire une course. À mon arrivée en ville, je suis tombé sur ce crocodile. Mais c'est ça, il m'a pris ma pièce. J'ai essayé de le rattraper, mais il allait trop vite. Mario, tu veux bien me montrer ton super saut encore une fois, s'il te plaît, mais elle se fout de ma gueule. Hé, avec ça, Bowser n'a aucune chance. Wouah, c'est toi, Mario. Je suis ton plus grand fan. Et tu m'as pas reconnu. Waouh, tes sauts feraient pâlir d'envie un panier de grenouilles. Ok, rien que ça. Moi, c'est Mallow, il a pas changé de nom. Du lac au tétard, je suis une grenouille. Mais je sais même pas sauter, la honte. Dis Mario, tu voudrais pas m'aider à attraper ce sale voleur? Bien sûr, c'est une grenouille. En vrai, je sais pourquoi, mais je vais pas vous spoil. Merci, merci, merci! Mais bizarre la grenouille. Mallow, la jeune grenouille qui ne ressemble pas, mais alors pas du tout à une grenouille, rejoint Mario dans son aventure! Il a des grosses mains, avec 4 doigts. Logique. Alors, ok. Donc en fait, l'album de voyage. Oh, c'est marrant. Oh, c'est signé Mallow. Oh, c'est trop bien. Mais est-ce qu'il y aura Luigi? J'espère qu'ils auront mis Luigi. Il faut qu'il y ait Luigi. Il est toujours là, le gars qui avait peur de la grenouille. Enfin, du crocodile. Ouais, d'accord, merci. Bon, Mallow. Mais attendez. Mais Mallow, il a pas d'équipement? Ah ouais? Ok, on va peut-être lui en acheter. Parce que on va avoir d'autres gens et tout, mais on peut mettre 3 personnes dans notre équipe. Et en vrai, ça va mettre longtemps à ce qu'on en ait d'autres. Vous me croirez jamais, quoi? Ne gaspille pas ta salive. Batracius m'a tout raconté. Il sait toujours tout, attends. C'est vrai qu'il devait livrer un truc ici. Non, écoutez! Je suis désolé, mais la pièce, quelqu'un me l'a volée. Volée, tu dis? Eh bien, dans ce cas, je crains que nous ne puissions pas procéder à l'échange convenu. Oh, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mario va nous aider. J'ai pas demandé mon accord. Oh, oh, si Mario s'en mêle, nous allons récupérer cette pièce en un rien de temps. Ok, mais je peux faire des emplettes? Tenez, prenez ça, ça vous sera sûrement utile. Ok. Oui, oui, mais donc... Tu sais, entre toi et moi, j'adore mon travail. Qu'est-ce que tu voudrais? Vas-y, j'ai pas beaucoup d'argent, mais... En fait, tous les persos ne peuvent pas tout prendre. On dirait des icônes Mario Kart. C'est stylé. Ah, ça fait perdre de la vitesse et de l'attaque magique. Hein. Ah, mais pour Mario? En vrai, si on pouvait en... Ah, c'est trop cher. Vas-y, on reviendra acheter... quand on aura plus d'argent. Parce qu'en fait, en vrai, être protégé du poison, ça peut être pas mal. Hein. Parce que utiliser des antidotes tout le temps et tout, ça saoule. Mario, Mario! Le type louche, je l'ai vu, il vient de passer par ici! Donc en fait, t'attendais pour rien, tu l'as même pas stoppé. Et ce qu'il ressemblait à ça... Ah ah! Mais Mario, il a un nouveau pouvoir de polymorphe. Hein. Oui, c'est lui! Il m'a volé ma pièce! Pourquoi est-ce que tu l'as pas arrêté?
Je suis là pour surveiller, pas pour arrêter les passants, donc je surveille vraiment pour rien. Très utile. On dirait vraiment un flic. Reviens ici! Arrêtez-le! Gnarc gnarc, vous arriverez jamais à m'attraper, bande d'escargots que vous êtes! Et à plus! Arrêtez-le, arrêtez-le! Nous aussi, on est inutiles en fait. Bref, c'est lui! Dépêche Mario, il faut le rattraper! Et récupérer des pièces. Mario, tu devrais peut-être prendre ça. Mais tout le monde me donne des objets, c'est ouf! Oh! Oh! Alors, ça, c'est la carte du monde, même si il me semble qu'il y a des lieux en plus. Je peux me téléporter! Et je peux laisser la boutique à distance! Ah non! Non, mais attendez, mais c'est cool! Oh, c'est trop bien! Ça va éviter des allers-retours super longs. Pourquoi il y a un truc rouge là? Genre, ça veut dire que j'ai pas tout fini? Bon, bref, on va au sentier des bandits. Oh oh! Le voilà! Il a sûrement la pièce dans son sac! Attrapons-le! Vous me rattraperez jamais! Tu ferais mieux de rentrer, c'est ta mère, avant de te faire mal, gamin! Oula! Il se déplace en sautant. C'est lui l'expert du saut. Alors, essayons Mallow. What? Les PF sont communs à tous les membres de l'équipe. Vaut-il mieux utiliser telle technique d'attaque ou être économe pour se garder telle technique de soin sous le bras? A vous de voir. Alors, il a quoi comme attaque, Mallow? Attendez, déjà. Oui, oui. Ok, lui, c'est facile. Oh, j'ai oublié. Mince. Foudroie les ennemis. Révèle les PV restants de l'ennemi. Essayons de faire une attaque normale pour voir comment il attaque déjà. Ah, d'accord. Très bien. Je me suis protégé, nickel. Ok, ok, ok. Pour l'instant, j'essaye de voir un peu Mallow comment il fait pour attaquer. Yes! Ouh, il a beaucoup de PV. Ok, mais on dirait genre un peu les Kremlings. Genre les méchants dans Donkey Kong. Ah mince. Let's go! Mais on dirait un peu des figurines comme les persos. Il a perdu beaucoup de PV, Mallow. Oh, le pauvre. Faut que je l'XP, là, ça va pas. Mais... Ok, il voulait pas me combattre ou quoi? Ennemi spécial? Pourquoi? J'aurais dû lire. Attendez, je peux faire l'aide? Vas-y. Certains ennemis sont particulièrement puissants. Vous gagnerez davantage d'expérience et de pièces en les battant. Et même des pièces grenouilles. Le nom de ces ennemis s'affiche en orange et il est accompagné de l'indication ennemi spécial. Mais on ne sait toujours pas à quoi servent les trucs grenouilles. Foudre, vas-y. Juste avant la fin de la décharge. Ah! J'ai fait trop tôt. Ah, il a beaucoup plus de vie, hein. Ok. Ah, il attaque pas? Yes. Nickel! Parfait. Il va falloir me dire à quoi ça sert ces pièces à un moment. Allez, attaque. Ok. Mario, il est trop fort! J'ai combien de pièces, là? Sûrement pas encore assez. Ok. Et pas mal, oh. Boule de feu! Wow! En vrai, Mario, j'aimerais bien qu'il soit super fort. Je pense que ce serait pas mal. Mais faut évoluer aussi Mallow. Hein. Est-ce qu'il y a des nouveaux ennemis dans le coin? Il n'y a même pas d'objet planqué. Vas-y, petite sauvegarde. Mais non, bah oui, mais oui, je veux sauvegarder. Mario et Mallow. Là, c'est la suite. Il n'y a pas un petit Lakitu aussi? Mais attendez, mais en fait, il faudrait qu'on ait le crocodile. Il est où? Pas par là. J'ai combien de pièces? 31? C'était 28, non? Donc attendez, si je fais carte, là, je peux aller ici. Et comme ça, je peux directement aller à la boutique. Pratique! C'est des chaussures de saut, c'est pour ça que Mallow, il peut pas les prendre. Donc bref, on prend ça. Et voilà. Donc c'est moins fort que l'autre objet, je trouve. Mais au moins, déjà, je suis protégé des... Enfin, du poison. Et puis Mallow peut la mettre. Donc très bien, très bien. Vas-y, sentier des bandits. Les ennemis vont apparaître, non? Après, j'allais dire on s'en fout, mais bon. Le jeu m'oblige! Vas-y. Yes! Mais ça touche pas les ennemis autour? J'ai pas compris. Ah là, si. Un peu étrange. Yes! Monsieur s'est protégé. Et est-ce que Mallow, il a une attaque spéciale avec le truc chargé, là? Eh bien, écoutez, 10 de suite! Comment ça, jauge, j'ai pas compris? Qu'est-ce qu'elle a, ma jauge? Je ne sais pas. Ok. Bon, bref, de toute façon, on va bientôt le savoir. Il va sûrement bientôt y avoir un autre combat. Ok. Je skip. Mais maintenant, les ennemis sont agressifs. Ça ne se fait point. Oui, non, vas-y, Mario. Oh, coucou.
Hey, vous arriverez jamais à me suivre au-delà de ce rocher. Bye bye! Comment ça, j'arriverai jamais? T'es sérieux? Comment, t'es trop nul? Mais il a volé une pièce! Ah ouais! Attendez, par contre, il y a un truc spécial, non? Ah non, je suis obligé d'aller là, d'accord? Ok, et là? Ouais, non, mais alors déjà, je me souviens comment on fait, hein. C'est juste que je voulais voir s'il y avait des objets. Y'a rien du tout. Et ça, c'est quoi? Des griffards! Vas-y, Mario, derrière. C'est difficile de viser ce qu'on veut, hein. Ok. Et toi, tu as... Ok. Mais comment ça a raté? Bon, vas-y, on va peut-être utiliser la foudre. Donc, juste avant. Yes! 14 de suite! Nickel. Et maintenant, c'est à toi, Malo. Yes! 16 de suite, mais c'est mon record! Je sais pas jusqu'où j'irai, mais... pour l'instant, c'est très bien parti pour aller très loin. Hein. Attendez, mais faut que je continue. Non, mais là, je vais faire le truc avec Malo. Vas-y, derrière. Ok. Peut-être que si t'en fais 100 de suite, t'as un truc spécial. Ok. Ah, là, y a pas eu deux loupés. Mais pourquoi jauge max? I don't understand. Ah non, c'est que l'assisted. D'accord. Ok. Bonne étoile. Et donc? Action coordonnée, attaque réussie. Hein? Vous savez que je peux pas louper la commande action? Peut-être que c'est ça, hein? Oula, oula. Hein? Je sais pas ce qui est arrivé à Mario, mais il a l'air d'avoir peur! Mario, Mario, attaque! Punaise, 23 de suite, je suis trop fort! Et Malo, il évolue toujours pas. Enfin, il évolue. Hein? Mais là, par contre, faut que je monte. Comment je fais? Ah, ok. Hein? Oui? Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. J'avais oublié. Ah! Non, 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 non. Mais par contre, ils réapparaissent à l'infini. Qu'est-ce qu'ils ont? Leurs épaules sont bizarres. Bon, bref, c'est pas très important. La petite musique tranquille et tout. Et ça doit rappeler des souvenirs à des gens. Moi, j'avais pas joué à l'époque, mais... Mais ce qu'ils sont coriaces, les pots de colle. Ça sert à rien d'insister. Vous me rattraperez jamais. C'est ce qu'on va voir. On dirait un peu Bowser Junior, en vrai. Il n'existait pas à l'époque. C'est pour ça, genre... on dirait un peu son style. Vas-y, en vrai, c'est parce que je veux que Malo, il augmente de niveau. Ok. Ils attaquent pas, non. Au prochain tour, j'imagine. Yes! Mais 26 de suite! 27. Je pense que j'arriverai pas à 100. À un moment, je vais forcément déconner. C'est toujours comme ça avec moi. Peut-être avec le boss, d'ailleurs. Parce que je connais pas ses attaques et tout. Ça, on connaît. Non! Attends, mais il est parti où? En fait, j'essaye de fouiller un peu partout, voir s'il n'y a pas des secrets, mais... Ok, on dirait qu'il n'y en a jamais. C'est trop nul. Vas-y. Je vais peut-être les tuer comme ça, là. Ah non! Ah d'accord, j'ai pas réussi à les tuer autour. Ok. Oulalalalala. Non! Mince! Bon bah, mon record, c'est 30. Ce qui est quand même pas mal, hein. Mais je pense que si tu fais 100, il se passe un truc, hein. Mais pour le coup, faudra vraiment genre se concentrer. Genre, faudra faire que ça. Oh yes! Alors, Malo, il passe niveau 3. Ouais, il augmente de tout, plus de PV. Resteur des PV, appuie sur A juste avant la fin de la pluie. Bah, son attaque magique et sa défense magique, ça paraît le mieux. Quoique... En vrai, ouais, hein. Vas-y, vas-y. Les PV, je vois pas trop l'intérêt. J'ai l'impression que j'en ai quand même beaucoup des PV, hein. Ouais, ouais, très bien, très bien, très bien. On s'en fout. Coucou, coucou. Mais, attends-moi! Je ne perds plus de temps. Ah, mais il y avait d'autres trucs là-bas. Ok, d'accord. J'aurais dû attaquer celui qui est derrière. Ah non? J'ai réussi à tous les toucher. Ah ouais? Mais en fait, Malo, il a très peu d'attaques normales. Normalement, c'est le perso où tu dois faire de l'attaque spéciale, mais flemme de dépenser des PF pour des ennemis tout pourris comme ça, hein. Surtout, j'en ai que 17. Et quand tu augmentes de niveau, tu ne récupères pas tes PF. Et ça, c'est pas très Charlie, hein. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ah, il voulait m'empêcher d'avoir le bloc, d'accord. Pas très sympa non plus, hein. Ok. La foudre. Encore une fois? Waouh. J'aime trop ces petites fleurs. Ouais, vas-y. Allez, allez. Yes! J'ai loupé. J'ai loupé. Mince. C'est l'attaque la plus facile à éviter de tout le jeu. Enfin, même si là, je crois que je l'ai pas évité, mais bon. Bref, ouille.
Alors, j'espère que ça valait le coup quand même d'aller chercher le bloc. Ok, ça m'a soigné alors que j'étais déjà soigné, je crois. Bon, mieux que rien. Oh oh, encore ce truc ! Il aime trop. Non mais tu comprends pas comment ça marche ? Moi j'ai compris. Encore vous, Greux, ce coffre est tentant, mais j'ai pas le temps pour ça. Moi j'ai le temps, tu vas voir. Regarde. Oh oh, wow ! Regardez, mais je gagne de l'XP ou pas ? Non, je pense pas, hein. Si ! Si ! Waouh ! Comment c'est trop pété ? Toujours, hein. Toujours. Je veux que Mario, il soit super fort. Bah maintenant... Mais ça sert plus à rien. Si, ça va servir en vrai. Vas-y. Ok. Là, j'utilise pas la foudre, hein. J'aurais peut-être dû en vrai. Oh ! C'est la première fois qu'il fait cette attaque, le gars. Et ils ont décidé de le faire tous les deux maintenant. Merci. Quoi ? Ok. Non, ça c'est bien. Oh mince. Ah, j'ai fait beaucoup trop tôt. Non, mais jamais j'arriverai à refaire 30. C'est pas possible. Alors, comment je... C'est trop lent ça pour le faire en entier. Vous êtes sûr? Parce que là, je dois aller jusque là, mais c'est long. Bon, peut-être pas tant que ça. Je sais pas, ça va pas redonner une étoile quand même. Je sais pas si ça va donner. Vas-y. Waouh. What? Aucune idée de ce que j'ai eu. Mais je l'ai eu. Le chemin ne continue pas plus loin. Décidément, vous êtes vraiment collant. Tant pis, je vais me casser pour la peine. Se cacher? D'accord. Il est parti se cacher. On a qu'à essayer de se faufiler discrètement derrière lui pour l'attraper sans se faire voir. D'accord, en fait on joue à chat, sauf que c'est à crocodile. On augmente bientôt niveau avec Mallow, donc on peut juste faire quelques combats, et après on va aller essayer de le battre. Parce que là, ouais, 9, on va les avoir, hein. Devant, j'ai pas le droit. Waouh. C'est difficile de sélectionner certains persos. Merci bien. Mais ils sont trop rapides les ennemis, alors que Mallow, il est trop lent. What? Ok. Heureusement que les ratés, ça annule pas les genre la chaîne. Ok, c'est bon. Enfin, on va gagner 3 points d'XP. Hein. À 2. Je sais même pas, même si en battant tout le monde, j'y arriverai, donc non. Oh, oh, je te vois venir avec tes gros sabots. C'est pas comme ça que tu m'attraperas. Ouais, non mais d'accord, ok. Oh, oh, oh. Haha. Ah, t'es rapide pour un pot de colle. Mais à ce rythme, il te fera encore 100 ans pour m'attraper. Bah normal, quand on le rattrape, il fait rien, Mario. Donc genre, ça va pas un moment quand même. Vas-y. Oh. Ah, t'es rapide pour un pot de colle. Mais Astrid nous fera encore 50 ans pour m'attraper. Oula, le temps passe vite ici. Encore toi, t'en as pas marre. À ce rythme, il te fera encore. Ok, ok, vous m'avez eu, ok. Zéhuteur, mille pardons, je te rends ta pièce. Il va vraiment me la rendre? J'y crois pas. Haha. Tu as cru? C'était bien eu. Voilà le boss. Stylé. Bon, on commence par un assistode. Je sais pas si ça va me donner des vies, j'espère pas quand même. Hein? Puissant pignon. Je suis devenu plus fort. 35 d'attaque en plus. Mais le saut, c'est de l'attaque magique. Donc faut pas faire le saut, je pense. On verra bien, mais je pense que je vais faire l'attaque normale. Ah! Ah ouais, d'accord. 2 points de dégâts. 40. Là, on parle. Mais je peux faire quoi? Est-ce qu'il est faible à la foot? Ça m'étonnerait, hein. Ah, un peu quand même. Il fait quoi, là? Ok. Zi. Ça dure combien de temps, la super attaque? Bah, un peu longtemps, quand même, hein. Zi, foudre. Faut que j'y arrive. Yes! Après, la différence, elle est pas énorme sur les dégâts que tu fais quand tu y arrives et quand tu y arrives pas. Hein. Mais il a énormément de PV. Et avec les 2 points de dégâts que fait Mallow, faut pas trop compter là-dessus. Hein. Ok, raté. Alors qu'en plus, j'avais réussi la commande action. Wesh. Yes. Champignon louche. Ça va. Il n'a pas gagné tant de vie que ça. Ah oui, non mais en un tour, je lui retire ses PV, donc c'est bon.
Ah, mais très bien, on va y arriver. Ce premier boss est extrêmement simple. Ça fait quoi, ça je sais pas. C'est toujours pas expliqué. Ah mince, j'ai appuyé sur A beaucoup trop tôt. Ah non, quoi? Non, j'ai dû appuyer juste au moment où il fallait. Rends-moi ma pièce, sinon c'est toi qui vas finir en pièce. Waouh. Tout ça pour une pièce? Alors que j'en gagne dans certains combats. Ouya. Tiens, et voilà ta monnaie. Waouh. C'est mieux à faire que de m'accrocher à une vieille pièce. A plus, les pots de colle. Je sais pas si on le revoit, lui. On a réussi, on l'a récupéré. Bon, augmentation de niveau, hein, pièce 10. Ça fait quoi? Gélule de fleurs, si vous voulez. C'est les fleurs de Yoshi's Island derrière, on dirait. Ouais, Malo, toujours la même. Hein. En fait, faut pas que je fasse les attaques normales avec lui. Youhou, on a retrouvé la pièce de mon pépé. Je vais enfin pouvoir faire ce qu'il m'avait demandé. C'était quoi déjà? Regarde, Coco a laissé un porte-monnaie. Vous avez trouvé porte-monnaie. Je dois passer à la boutique d'objets du château champignon. On n'a qu'à utiliser la carte pour retourner ensemble au château champignon. Ok, Mario, il évolue quand? Il évolue... Ouais, dans un peu longtemps. Vas-y, carte et château. Oh, what? Que se passe-t-il? En plus, la musique était bizarre. Mascarotte. Ok. Yes. Mais pourquoi mascarotte? Bon, encore la foudre. En plus, on a regagné tous nos PF, donc... Yes! Oh, c'était efficace, ça! Bon, et que se passe-t-il, là? Merci, Mario, je continue de monter la garde, mais je me méfie de tout le monde, maintenant! D'ailleurs, regarde ce que j'ai trouvé. 10 pièces. Ah, mais attendez, mais faut que je sauve tout le monde, alors. Vas-y. Mais c'est le porte-monnaie que m'avait chippé le crocodile, tu veux bien me le rendre? Bien sûr! Merci infiniment. Tiens, laisse-moi te donner ceci en échange. Ok, ça, vous les donnez à Malo, je pense. Gélule de fleurs. Ah non, c'est vrai, c'est pour tout le monde. Donc, en fait, ça sert à quoi que je les garde? Je pourrais les vendre si je voulais, mais... Waouh, 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 waouh! Laisse ces citoyens tranquilles! Je sais même pas si ça sert de se les détruire en vrai, hein. Mais bon, ça fait un peu d'XP facile, et en plus, ça fait augmenter ma chaîne! Et Mario, tu viens me montrer ton super saut, dis s'il te plaît. Déjà, je viens de te sauver la vie. Et tu penses que c'est le moment? En vrai, il y en a qui sortent à l'infini, là, c'est un bon moyen de continuer le combo. Après, ils donnent pas beaucoup d'XP, mais en vrai, pas grave. Bon, c'est peut-être le chaos, mais toi, tu fais quelque chose avec la pièce. La maison ne rend pas la monnaie, veuillez faire la pointe VP! Ah, parce qu'il voit encore des trucs, mais il est effrayé. Coucou. Pardon? Comment pouvez-vous faire vos courses en mon pareil? Enfin, prenez ce que vous voulez, laissez l'argent! Ah, il veut pas la pièce. Oh? Y'a quoi là? Hein? Mets-toi devant moi. Hein? Maintenant, saute! Oh! Et donc? Ce monde recèle de richesses insoupçonnées, les trésors cachés. Grâce à tes formidables sauts, tu pourras les révéler. Et laisse-moi te donner ceci aussi, ça devrait t'aider. Anneau d'alerte, équipant pour révéler les trésors cachés. Un anneau d'alerte vous préviendra si vous passez à proximité d'un trésor caché. Attention, cela ne fonctionne que si l'anneau est équipé. Et je suis obligé de l'équiper à Mario. Non, pas forcément. Oh, cool. Trésor caché à proximité. Attendez, attendez. Non mais, ça veut dire que je dois sauter partout au hasard? Y a des indices ou pas? Genre là? Ah, d'accord. Non mais j'ai sauté littéralement partout, y a rien. Peut-être que comme je l'ai trouvé, genre c'est lui dont il parle. En tout cas les amis, nous on va rester là pour ce deuxième épisode de Super Mario RPG. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et à demain pour la suite. Salut!